parce qu'il faut quand même garder des choses les mieux. Oui. C'est quoi la fête trad? Eh ben, c'est quoi la fête trad? Alors, à fou. Je prends mon métier d'origine à porter des fleurs. Oui, les animations, oui, bien la serre, là. Alors, les danses traditionnelles, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, c'est des gens qui dansent déjà et puis qui ont envie de s'amuser ensemble. Traditionnel parce que c'est des gens, ils ont toujours aimé danser. Donc il n'y a pas de raison de ne pas danser des vieux trucs comme des nouveaux. Tout ça, ça se mélange et tout. Je ne sais pas. C'est aussi danser ensemble, c'est des danses à deux ou des danses tout en cercle et tout, c'est la fête. We'll be right back.
Après les musiques, elles expriment autre chose. De toute façon, c'est les gens, ils se retrouvent les uns en face des autres, tous ensemble. Tu te retrouves tous ensemble et tous les uns en face des autres et vous, on se regarde les uns par rapport aux autres. Vous le savez bien, vous avez l'habitude, vous l'avez déjà dansé. Là. Bon, alors on pousse la table. Oui. Ouais. Allez, c'est parti. Donc on essaye la bourrée. Alors je vous présente la payole, c'est le chapeau traditionnel des Creusoises qui ne se porte pratiquement plus que uniquement pour les danses traditionnelles ou exceptionnellement. Il y a encore des Creusoises qui s'habillent en tenue traditionnelle pour se marier. On nous demande de temps en temps un costume pour se marier en Creusoise. Voilà, donc c'est le chapeau traditionnel creusois. Et il est fait en paille de riz. Excusez-moi, je ne cultive pas le riz en Creuse. Il est fait en paille de blé. C'est de la paille de blé qui est tressée. Ensuite, vous avez le chapeau d'homme. C'est le chapeau limousin. À large bord qui protège de la pluie. Les grandes chaussettes qui se portent avec la biode, ici. La biode, et elles sont attachées au niveau du genou avec des lacets rouges, comme ça. Ça, c'est les sabots d'homme. Non, pardon, c'est les sabots de femme, il y a des fleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un devantio. Moi j'explique ma méthode, toi t'expliqueras la tienne, c'est loin. Moi c'est. En fait on danse comme on veut, mais sinon c'est. On se fait face à face, 4 fois, comme si on marchait. Et après, on se croise. 4 fois. Voilà. 4 fois, 4 fois. D'accord. Attention au passage des randonneurs, ils débarquent. Faut chanter, mais fais pour les dames. Bon, premier exercice, hein, on va faire une évacuation de victime qui est prise dans une foule dense qui assiste au bal. Donc cette victime est tombée parce qu'il y a trop de monde. Donc le but c'est la première équipe de 4 hommes va venir, enfin de 4 sapeurs-pompiers va venir protéger cette victime pendant que la deuxième équipe munie du brancard vient récupérer cette victime et le but c'est alors de slalomer sans se tirer parce qu'ils ne vont pas s'arrêter de danser. Le but c'est de sortir cette victime assez rapidement, de l'extraire de cette foule, d'accord, et de l'amener au SAV. C'est bon ? Très bien. Allez, exécutez. Thank you.
Police tu, prenez garde, la police tu, les enfants dans la rue. Si tu veux y arriver, faut pas baisser la tête, si tu veux y arriver, faut pas regarder des souliers, faut regarder l'autre. Avancez, allez hop là, et on va au milieu, on revient, hop, on va au milieu, après on se révolutionne sur soi-même, et on y va, et on se croise, et on se regarde, allez, on y va. Tam 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 pour moi, donc j'ai pas eu mal à la fin de mes Parfait. Et ce soir, on compte sur vous pour danser. D'accord. Mais par contre, on risque d'avoir un costume un peu différent. On vous en passera un autre. Ok. Hein. Vous gardez celui-là de toute façon. Très bien. Et vous avez bien fait. Merci. C'est un bel achat. Vous êtes une belle creusoise. Très bien. Au revoir. Au revoir. Merci.
pu voir des camions, une vache et un champignon. À 10h du mat, c'était déjà l'apéro. À midi, c'était le rototo. On a bien pu picoler de l'agneau et du cabernet. Dans mon jeu, évidemment. Il n'y a pas de problème. Oui, à la souterraine.